parti en réparation. Je reviens dans une semaine. Ne soyez pas trop triste sans moi. Télé, Roger. Calme-toi, détends-toi, respire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vois. Nous avons besoin d'une télé de toute urgence. Nous? Moi, je suis très bien sans. Tu te moques de moi? C'est égoïste. Personne n'aime ce pauvre Calme. Tu sais que ça ne marche pas avec moi. Oh. Et Kadissou? Bouquine et rejoint Macbeth en ce moment même. Eh bien, puisque je suis le seul espoir de l'humanité, alors allons-y. Nous allons bien trouver quelque chose. Salut les gars. Aujourd'hui, ma tâche est de ne pas laisser Samy déprimer, pendant que sa meilleure amie, la télévision, est en réparation. Et quoi de mieux qu'un atelier bricot, pas vrai? C'est loin un atelier bricot de télé. Oui, c'est vrai. Les amis, attention en travaillant avec des outils tranchants. Ok, celui-ci est prêt. Assemblons la télé. Ici, nous allons pratiquer la même ouverture que dans la partie ronde. Et cette partie va simplement ici. Ainsi, les parois latérales de notre téléviseur sont faites. Maintenant, nous allons coller la paroi arrière et la partie inférieure. Attention à la colle chaude, les amis. Ça a été assez facile jusqu'à présent, non? Et voilà. On le retourne comme ça. Ensuite, nous aurons besoin de deux parties rondes et... où est le tube? Je l'ai bien vu ici quelque part. Roger, je l'ai trouvé, attrape! Joli service, Samy. Bien joué. Je ne peux pas dire que je te visais vraiment, Roger. Mais il semble que je sois un génie même quand il s'agit de coïncidences. Ouais, Samy, la modestie n'est pas ta vertu, hein. Je me demande comment Sou gère tout ça. Je suis le plus modeste des slimes au monde. Si tu veux tout savoir, dites-lui les amis. Et unique en son genre, bien sûr. Je me demande combien de gemmes j'ai déjà. Super. Maintenant, tout est en ordre. Enfin, presque. Il ne nous manque plus qu'une poignée. Nous l'avons assemblée à partir de carton et d'un tube en plastique. Le génie, c'est la simplicité. Je ne me souviens pas que notre télé avait... une poignée. C'est parce que nous ne fabriquons pas seulement une télévision à LED, mais un vrai téléviseur rétro. Crois-moi, c'est beaucoup plus cool. Voici maintenant la partie la plus colorée de notre atelier bricot. Une roquette de couleurs, Sam? Roger, vu que tu as été si gentil et que tu as accepté de m'aider, tu peux choisir tous les marqueurs que tu veux. C'est un grand honneur. Bien, alors je vais commencer par celui-ci. J'aime beaucoup cette couleur orange vif. Tu sais, pour que ce soit juste, tu peux colorier ce personnage et je m'occuperai du fond. J'ai déjà quelques idées. D'accord, Samy. Au fait, les gars, pour le dessin animé d'aujourd'hui, il nous faudra 33 dessins. Ou pour être exact, 33 images. Pour faire bouger le personnage, chaque dessin doit être un peu différent du précédent. Regarde jusqu'à la fin et tu verras par toi-même. Et je le sais déjà, une fois, Sue et moi avons fabriqué une machine à dessin animé et j'ai pu créer mon propre cartoon. Je parie que tu ne peux même pas dessiner une image plus vite que moi. Ha! Ne me sous-estime pas. Si tu y arrives, je te donnerai un mois de bonbons. Marché conclu. Oh oh, il a l'air trop excité. Je ferais mieux d'accélérer un peu. Voilà. Notre personnage est tout en couleur. Comment ça va, Samy? Tu as réussi ou pas? Tu as dit que tu avais fini! Laisse-moi vérifier! Hé, attends! Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ce slime fabrique encore? Ah, Roger! Je suis un gagnant! Tu ne tiens pas la route! Oh, waouh! Comment t'as fait tout ça? Et si proprement? Comme si tu utilisais un ordinateur! Ok! Ces compétences méritent absolument une forêt de pouces levés! À vos clics, les amis! Et Roger! Comment faire bouger nos images à l'intérieur de la télévision? Je te montrerai si tu m'apportes la cassette! Quoi? Ok. Et on va commencer par couper notre premier cadre. Je veux dire la première image en deux. Attention aux ciseaux, les amis. Ils peuvent être très coupants. Roger! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout gâcher! Arrête tout de suite! Oh! Toutes les images sont déjà coupées en deux! Pas de soucis, Sam. C'était prévu. Tiens, regarde. Nous allons prendre la partie supérieure de la première image et la partie inférieure de la suivante. Nous allons maintenant les relier soigneusement avec du ruban adhésif, comme ceci.
Ensuite, retourne le tout. Ici, nous aurons besoin d'un bâton de colle. Ça n'a pas de sens. D'abord, tu les coupes tous et maintenant, tu les colles. Oh là là, Samy, je fais tout comme il faut. Tu dois apprendre à faire confiance aux gens. Maintenant, on va insérer ça au milieu, comme ça. Et la première image sera prête. Et on va répéter la même chose avec les 32 images. Rappelez-vous, la partie supérieure de l'image précédente va avec la partie inférieure de l'image suivante. Un peu de magie de la part de Maître Sam ne fera pas de mal. Wouh ! Waouh ! C'est ce que j'appelle de la vraie magie. Ou mieux encore, un véritable miracle. Puisque tu as déjà cette baguette magique... C'est fantastique, Sam. Encore un peu à faire. On va faire ressembler notre télé à une vraie. Nous arrivons à la paroi du dessus. Dis-moi, Roger, tu essayes de la faire ressembler à la première télévision du monde? Non, Samy. Les premières télévisions étaient vraiment petites. Si petites que l'image à l'écran n'était pas plus grande qu'un timbre-poste. Voilà. Maintenant, nos images vont s'accrocher à ce rebord et on pourra tout voir. En fait, tous les boutons des téléviseurs rétro étaient placés sur le panneau avant. Je voulais donc te suggérer de faire une décoration similaire pour cet atelier bricot. Qu'est-ce que tu en dis? La déco, c'est ma tasse de thé! J'ai vu une télé semblable dans le grenier de ma grand-mère. Plus le curseur était haut, plus le volume était fort. Et voici ce qu'ils utilisaient pour passer sur une autre chaîne. Vous imaginez, les amis? Roger, on a failli oublier le plus important! Oh, c'est vrai. Maintenant, on a tout pour recevoir un signal et regarder notre dessin animé. Ok, on y va. Mets-toi à l'aise, Sam. Je suis prêt. Pa 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 pa